Bienvenue à cette séance d'enseignement. Je suis M. Tena Mounik Bonifas, enseignant de mathématiques. La séance d'aujourd'hui porte sur la géométrie analytique du plan, leçon 23, équation normale d'une droite. Cette séance est destinée aux élèves des classes de première C, E, D et TI. Nous commençons cette séance par la correction des exercices que nous avons laissés la dernière fois. On demandait ici à l'exercice 1, le plan étant muni d'un repère orthonormé OIJ, première question, déterminer pour chacune des droites suivantes les coordonnées d'un vecteur normal et un vecteur directeur. Nous avons les trois droites. À la question 2, on nous disait, si nous prenons les points A, les coordonnées moins 2, 1 et B, les coordonnées 3 et moins 2, déterminer l'équation cartésienne et une représentation paramétrique de la droite D, AB, je voulais dire, ainsi que les coordonnées d'un vecteur normal à la droite AB. Nous commençons donc la correction du premier exercice. On lui demandait ici pour chacune des droites déterminer les coordonnées d'un vecteur normal et ensuite coordonnées d'un vecteur directeur, ce qui n'apparaît pas là. Nous allons donc commencer par la première droite. Nous prenons la droite de D, l'équation moins 2x moins 5y égale à 2. Nous rappelons ici le principe. Nous avons dit que si nous avons une droite AX plus BY plus C égale à 0, un vecteur normal de cette droite est tout simplement le vecteur de coordonnées AB. Et un vecteur directeur de cette droite est le vecteur de coordonnées moins BA. Donc, pour cette droite, nous identifions ici A moins 2, B égale à moins 5. Nous dirons donc tout simplement que un vecteur normal de cette droite est donc tout simplement le vecteur de coordonnées moins 2, moins 5. Et un vecteur directeur que nous allons noter ici U sera donc tout simplement moins B, c'est-à-dire moins moins 5, c'est-à-dire 5, et A ici étant moins 2. Donc ça c'est un vecteur directeur et là c'est un vecteur normal. Nous passons à la deuxième droite. La deuxième droite ici c'est la droite D' qui est l'équation Y égale à 2. Elle est bien sous cette forme, c'est-à-dire sous la forme, nous aurons ici 0x plus 1y moins 2 égale à 0. Nous pouvons donc identifier ici A égale à 0, B égale à 1 et C égale à moins 2. Nous dirons donc qu'un vecteur normal de cette droite est donc tout simplement le vecteur de coordonnées 0, 1 et un vecteur directeur de cette droite sera donc la droite 2 sera tout simplement le vecteur de coordonnées moins B, A c'est-à-dire moins 1 et 0. Nous passons à la troisième droite. La troisième droite ici c'est la droite d'équation. Permettez qu'on puisse effacer très bien notre tableau. La troisième droite ici c'est la droite et seconde, l'équation y égale à 1 demi de x moins 3. Y égale à 1 demi de x moins 3. Nous pouvons donc basculer tout ça de ce côté. Cela nous permet d'avoir une autre équation et qui est tout simplement moins 1 demi de x plus y plus 3 égale à 0. Nous pouvons donc lire ici A comme moins 1 demi, B comme 1 et C comme étant 3. Un vecteur directeur de cette droite sera donc tout simplement le vecteur de coordonnées. Je voulais dire un vecteur normal de cette droite sera donc tout simplement L de coordonnées AB, c'est-à-dire moins 1 demi et 1. Et un vecteur directeur de notre droite sera le vecteur U de coordonnées moins BA, c'est-à-dire moins 1 et A étant moins 1 demi, nous aurons tout simplement moins 1 demi. Vecteur directeur et vecteur normal de notre droite. Nous passons à la deuxième question. On nous avait donné les points A de coordonnées moins 2, 1 et B de coordonnées 3, moins 2. On nous demandait de déterminer l'équation cartésienne de notre droite. Pour chercher une équation cartésienne de notre droite, afin de déterminer un vecteur normal de la droite, on devrait d'abord prendre un point M de coordonnées x, y. Nous avons le vecteur AB qui a pour coordonnées 5, moins 3 et le vecteur AM qui a pour coordonnées x plus 2 et y moins 1. Le point M appartient à la droite AB lorsque le déterminant des vecteurs AM et AB est égal à 0. En effectuant cette opération, nous arrivons ici à AB, le vecteur, la droite AB a donc pour l'équation cartésienne moins 3x moins 5y moins 1 égale à 0. Une représentation paramétrique de cette droite, nous constatons ici que notre droite AB passe par le point A de coordonnées moins 2, 1 et admet le vecteur AB de coordonnées 5, moins 3 comme un vecteur directeur. On pourra donc tout simplement écrire x égale à moins 2 plus 5t et y égale à 1 moins 3t, t appartenant à R. Je rappelle bien ce principe. Nous savons que si nous avons un vecteur, si nous avons une droite D, nous avons noté ici, de
passant par A et dirigé par le vecteur U, où A est les coordonnées x0, y0, et U, les coordonnées A et B. Nous savons tout simplement qu'une représentation paramétrique de la droite D est x égale à A, x0 plus AX et AD, nous allons mettre ici, AD et y égale à y0 plus VTT appartenant ici à R. Donc, en appliquant cette expression, nous arrivons ici à x égale à moins 2 plus 5t, sachant qu'un vecteur directeur de la droite AB est 5, et moins 3, nous aurons moins 2 plus 5t et y égale à 1 moins 3t, t appartenant à R. Et on nous demandait aussi de deviner les coordonnées d'un vecteur normal à la droite AB, sachant qu'une équation cartésienne de AB est moins 3x moins 5 égale moins 1 égale à 0. Un vecteur normal de notre droite sera donc tout simplement A étant moins 3, B étant moins 5 et C moins B étant moins 5 et C moins 1. Un vecteur directeur sera donc tout simplement N, coordonnées moins 3, moins 5. Passons à l'exercice 2. On lui demandait de déterminer l'équation cartésienne, puis une représentation paramétrique de la droite D, passant par le point C de coordonnées 2, moins 5 et admettant le vecteur N de coordonnées moins 1, moins 3 comme un vecteur normal. Qu'est-ce que nous savons? On nous a dit dans le cours que lorsque N de coordonnées AB est un vecteur normal de la droite D, alors une équation de la droite D sera donc tout simplement AX plus BY plus C égale à 0 avec C étant la quantité à déterminer ici. Donc le vecteur normal que nous avons nous permet déjà d'avoir la quantité qui sera ici et l'autre là. Il nous manque donc C. Or, on nous a dit ici que la droite D passe par le point C de coordonnées 2, moins 7 et admet le vecteur N de coordonnées moins 1, 3 comme moins 1, moins 3 comme un vecteur directeur. Nous dirons donc tout simplement que D aura donc pour équation moins X moins 3Y plus C égale à 0. Or, le point K de coordonnées, ici on a dit C, or le point C de coordonnées 2, moins 7 appartient à la droite de D. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On remplace X par 2, ça devient donc moins 2, moins 3, fois moins 7, plus C égale à 0. Donc nous aurons donc 21 moins 2, c'est-à-dire 19. Donc C sera égal tout simplement à moins 19. Une équation cartésienne de notre droite sera donc tout simplement moins X, moins 3Y, moins 19 égale à 0. Donc avec cette information, nous avons donc la solution de notre équation. Nous savons que le vecteur n de coordonnées moins 1 moins 3 est un vecteur normal, donc la droite D aura donc pour l'équation moins x moins 3y plus c égale à 0. Sachant que le point C de coordonnées 2 moins 7 appartient à cette droite, en remplaçant C par ses coordonnées, nous arrivons à C égale à moins 19, c'est-à-dire qu'une équation cartésienne de la droite D est donc tout simplement moins x moins 3y moins 19 égale à 0. Déterminons une représentation paramétrique. Pour avoir une représentation paramétrique de cette droite, nous pouvons fixer ici y égale à t et ensuite exprimer x en fonction de t. Nous arriverons à x égale à moins 3t moins 19. Une représentation paramétrique de la droite D sera donc tout simplement x égale à moins 19 moins 3t, y égale à t, t appartenant à R. C'est avec ceci que nous achevons la correction des devoirs que nous avons laissé la dernière fois. Nous pouvons entamer notre nouvelle leçon qui est dans le chapitre géométrie analytique du plan, première partie droite du plan, et la leçon d'aujourd'hui c'est la leçon 23, équation normale d'une droite. Quel est le plan de cette leçon? Nous allons d'abord fixer les objectifs de la leçon, ensuite donner quelques prérequis, la situation problème suivra, une activité d'apprentissage aussi, exercice d'application et enfin un devoir à faire à la maison pour mieux consolider la notion. Quels sont les objectifs de notre leçon? L'objectif ici principal sera déterminer l'équation normale d'une droite. Et pour y arriver, il est important pour vous de vous rappeler encore ce qu'on entend par équation cartésienne d'une droite. Et tout à l'heure dans la correction des devoirs, nous avons bien vu comment déterminer l'équation cartésienne d'une droite. Passons à la situation problème. Pendant l'étude, l'élève Aboula a, dans un repère autonomé, la droite D, équation 3x moins 5y plus 1 égale à 0. Son ami a obtenu une équation cartésienne de la droite D de la forme AX plus BY plus C égale à 0, avec
comme précision ici, a carré plus b carré égale à 1. Il a l'impression que son équation est fausse. Son équation peut-elle se mettre sous la forme obtenue par son ami? Donc, Aboula, ici, a son équation, a l'équation cartésienne de la droite D, qui est une équation cartésienne de la droite D, qui est 3x moins 5 égale plus 1 égale à 0. Mais son ami a obtenu une autre équation de la même droite qui est sous la forme AX plus B égale plus C égale à 0 avec A carré plus B carré égale à 1. Lui, il a comme impression que son équation est fausse et il se demande donc, est-ce que de l'équation qu'il a obtenue là, est-ce qu'il peut se ramener dans une équation qui est sous la forme de celle de son ami? Activité d'apprentissage. Le plan est muni d'un repère autonomé OIJ. Nous prenons la droite D de l'équation AX plus BY plus C égale à 0. Une droite du plan. Première question. Démontrer qu'une équation cardinale de la droite D est A sur racine carrée de A carré plus B carré X plus B sur racine carrée de A carré plus B carré Y plus C sur racine carrée de A carré plus B carré égale à 0. Question 2. Justifier que A sur racine carrée de A carré plus B carré le tout au carré plus B plus, ici c'est bien B, B sur racine de A carré plus B carré le tout au carré égale à 1. Je précisais bien que ici c'est bien B qu'il fallait mettre à ce niveau-là. Donc, nous allons à la question 3. Répondre à la préoccupation de l'élève Aboula en mettant en son équation sous la forme obtenue par celle de son ami. Mettant sous cette forme-là. Donc, nous commençons ici avec la correction de notre activité. Nous commençons avec la première question. On demande démontrer que la droite D a une équation cartésienne de la forme A sur racine de A carré plus B carré X plus B sur racine de A carré plus B carré Y plus C sur racine de A carré plus B carré égale à 0. Donc, nous allons chercher à justifier une équation cartésienne de cette droite peut être bien de cette forme-là. Si nous prenons dans la droite D, qui a l'équation AX plus BY plus C égale à 0, n'oubliez pas que nous avons dit que ceci est l'équation cartésienne d'une droite lorsque le couple AB, AB est différent du couple 0, 0. Si le couple AB est différent du couple 0, 0, cela signifie tout simplement que A carré plus B carré sera donc différent de 0. C'est-à-dire que la racine de A carré plus B carré sera donc différent de 0. La droite D étant AX plus BY plus C égale à 0, ceci équivaut tout simplement à quoi? Étant donné que la quantité racine carrée de A carré plus B carré est différente de 0, nous pouvons donc procéder simplement à la division des deux membres de cette égalité par racine carrée de A carré plus B carré qui est différent de 0. Cela ne changera rien à cette expression. Ça changera naturellement la forme, mais nous obtenons une expression équivalente à celle-ci. Ce qui nous permet donc d'avoir ici, nous aurons donc tout simplement A sur racine de A carré plus B carré X plus B sur racine de A carré plus B carré plus C sur racine de A carré plus B carré égale à 0. Conséquence, une équation cartésienne de la droite D peut donc être donc tout simplement une expression comme celle-là. Donc, ici, nous remarquons que le couple AB est différent du couple 0, 0. Racine carrée de A carré plus B carré étant différent de 0, nous pouvons donc procéder simplement à la division des deux membres, ce qui nous permet donc d'avoir une équation cartésienne de D qui est bien sous la forme A sur racine de A carré plus B carré X plus B sur racine de A carré plus B carré Y plus C sur racine de A carré plus B carré égale bien à 0. La question 2, on demandait de justifier que A sur racine de A carré plus B carré au carré plus, je précise encore bien, B sur racine de A carré plus B carré, le tout au carré égale à 1. Pour le faire, nous allons donc tout simplement procéder au développement de cette expression. Il fallait élever ceci au carré. En élevant ça au carré, nous arrivons à A carré sur A carré plus B carré. Et ici, je précise encore, en mettant B, lorsque nous élevons ceci au carré, nous arrivons à B carré sur A carré plus B carré. Ce qui nous permet d'avoir A carré plus B carré sur A carré plus B carré qui est en fait égal à 1. Conséquence, nous arrivons donc à A sur racine de A carré plus B carré au carré plus B, je précise encore et j'insiste là-dessus, B sur racine de A carré plus B carré le tout au carré égal à 1. La question
3. On demandait, est-ce qu'on peut déduire de ceci une réponse à la préoccupation de l'élève Aboula? Nous savons que Aboula avait pour équation ici, l'équation cartésienne de sa droite était la droite l'équation 3x. 3x, c'était la droite d'équation 3x moins 5y plus 1 égale à plus 1 égale à 0. Nous prenons ici a égale à 3, de façon analogue à ce que nous avons fait tout à l'heure, b égale à moins 5 et c égale à 1. Si nous posons racine carrée de a carré, c'est-à-dire 3 au carré, plus moins 5 au carré, nous aurons donc 9 plus 25, c'est-à-dire racine carrée de 4. Nous allons donc procéder simplement à la division de cette expression. Nous aurons donc une équation cartésienne de b, comme on l'a vu tout à l'heure, sera donc 3 sur racine de 34 x moins 5 sur racine carrée de 34 y plus 1 sur racine carrée de 34 égale à 0. Or, de cette équation, nous sommes ramenés à cette autre équation cartésienne. Or, ce que nous observons dans cette équation cartésienne, c'est que si nous faisons 3 sur racine carrée de 34 que nous élevons au carré plus moins 5 sur racine carrée de 34 que nous élevons au carré, nous arriverons à 3 au carré, c'est-à-dire 9, et moins 5 au carré, c'est-à-dire 25, et racine carrée de 34 au carré sera donc 34. Nous aurons donc tout simplement 34 sur 34, c'est-à-dire 1. Donc, Aboula devra simplement prendre cette équation, cette équation cartésienne à droite, c'est-à-dire 3 sur racine carrée de 34x moins 5 sur racine carrée de 34y plus 1 sur racine carrée de 34 égale à 0, qui est bien une équation qui se ramène à la forme que son ami a obtenue, c'est-à-dire en élevant cette quantité au carré plus celle-ci au carré, on arrive bien à 1. Et c'est effectivement ce que Aboula a fait. Donc, nous arrivons ici à l'équation, tout simplement, 3 sur racine carrée de 34x moins 5 sur racine carrée de 34y plus 1 sur racine carrée de 34 égale à 0. Donc, nous avons cette autre erreur, donc nous avons 0 ici. Nous pouvons donc tout simplement conclure que cette équation cartésienne sera donc appelée une équation normale de la droite D. Qu'est-ce que nous retenons donc de cette expression? Le plan étant muni d'un repère autonomé, si nous prenons la droite D, une droite D d'équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0, A, B et C sont des nombres réels tels que le couple AB est différent de 0, est différent du couple 0, 0. Une équation normale de la droite D est tout simplement A sur racine carrée de A carré plus B carré X plus B sur racine carrée de A carré plus b carré y plus c sur racine carrée de a carré plus b carré égale à 0. Donc voilà ce qu'il faut retenir de façon. Voilà ce qu'il faut donc retenir ici. Qu'est-ce que nous avons ici comme remarque? Si nous prenons une droite D, une équation cartésienne de ax plus by plus c égale à 0, on peut trouver un unique réel θ de l'intervalle moins pi, pi tel que. Et un autre réel C' tel qu'une équation normale de la droite D puisse écrire x cosinus θ plus y sinus θ plus C' égale à 0, avec cosinus θ ici étant A sur racine carrée de A carré plus B carré et sinus θ égale à B sur racine carrée de A carré plus B carré. Vous vous rappelez bien que tout à l'heure, nous avons dit qu'une équation normale de la droite était A sur racine carrée de A carré plus B carré X plus B sur racine carrée de A carré plus B carré Y plus C sur racine carrée de A carré plus B carré égale à 0. Et en remarquant que lorsque nous élevons A sur racine carrée de A carré plus B carré au carré plus B sur racine carrée de A carré plus B carré le tout au carré, nous avons trouvé 1, ce qui nous permet donc de déduire tout simplement l'existence d'un réel θ de l'intervalle moins pipi qui nous permet donc d'écrire D sur cette forme, qui sera aussi appelée une équation normale de la droite D. Exercice d'application. Le plan étant muni d'un repère autonome OIJ, première question, écrire une équation normale des droites suivantes. Nous avons ces trois droites. Question 2, si nous prenons le point A de coordonnées 1, moins 2 et le point B de coordonnées moins 2, 3, déterminons l'équation normale de la droite AB. Et nous passons donc à la première question de cet exercice.
On dit pour chacune des droites, donner une équation normale de chaque droite ici. Nous commençons par la première droite. Quelle est la première droite que nous avons? La première droite ici, c'est la droite D. Donc une équation cartésienne est moins 3x plus 4y égale à 2. Nous voulons donner une équation normale. Si nous voulons procéder comme tout à l'heure, nous allons identifier ici A comme étant moins 3, B comme étant 4 et C comme étant 2. Ça se retrouve de l'autre côté. Nous aurons donc racine carrée de A carré plus B carré qui est égal à racine carrée de moins 3 au carré nous donne 9, 4 au carré nous donne 16, 9 plus 16 est égal à 25, et racine carrée de 25 nous donnera donc tout simplement 5. Une équation, bien l'équation normale de la droite D sera donc tout simplement moins 3, comme on l'a dit, sur 5x plus 4 sur 5y égale à 2 sur 5. Donc ceci est une équation normale de la droite D. Nous passons à la deuxième question. Ici, avant de passer à la deuxième question, nous envoyons d'abord ce que nous avons obtenu ici, effectivement, l'équation cartésienne de la droite, une équation, l'équation normale de la droite D sera donc tout simplement moins 3 cinquièmes de x plus 4 cinquièmes de y est égal à 2 cinquièmes. Pourquoi cela est bien une équation normale de cette droite? En élevant ceci au carré, vous allez obtenir 9 sur 25. Et en élevant ceci au carré, vous allez obtenir 16 sur 25. Et en additionnant les deux, vous obtenez 25 sur 25, c'est-à-dire 1. Donc une équation est bien, c'est bien sous la forme avec la somme de ces deux carrés qui nous donne 1. Nous passons à la deuxième droite, c'est-à-dire la droite D'. La droite D' ici, c'est A pour équation 3y égale à 2, que nous pouvons encore ramener sous la forme de 0x plus 3y moins 2 égale à 0. Nous remarquons ici que A c'est 0, D c'est 3 et C c'est moins 2. Nous avons racine carrée de A carré plus B carré, 0 carré sera 0, 3 carré sera 9, et racine carrée de 9 sera donc tout simplement 3. Donc, pour trouver une équation normale de notre droite, nous aurons donc tout simplement, en nous référant à ce que nous avons ici, 3 égale à 2, il suffit donc de diviser ceci par 3. Donc, nous aurons 3 sur 3, y égale à 2 sur 3. Donc, une équation, bien l'équation normale à notre droite sera donc tout simplement y égale à 2 tiers. Donc voilà l'équation normale que nous avons donc pour la droite D, c'est-à-dire Y égale tout simplement à 2 tiers. Nous passons à la troisième droite qui est D secondes, qui est la droite D secondes, qui a pour équation Y égale à 4, Y égale à 4X moins 3. Lorsque nous ramenons cette expression du même côté, nous aurons moins 4X plus Y plus 3 égale à 0, A étant moins 4, B étant 1, en élevant ceci au carré et cette autre expression au carré, nous arriverons à cette autre expression. Donc, une équation normale de notre droite sera donc moins 4 sur moins 4 au carré plus 1 au carré x plus 1 sur moins 4 au carré plus 1 au carré y qui est égal à moins 3 sur moins 4 au carré plus 1 au carré qui nous permet d'avoir ici tout simplement moins 4 sur racine carrée de 17x plus 1 sur racine carrée de 17y égale à moins 3 sur racine carrée de 17 comme équation normale de la droite D secondes. La deuxième question, on nous donnait les points A de coordonnées 1, moins 2 et B de coordonnées moins 2, 3. On nous demandait de donner l'équation normale de la droite AB. Pour retrouver l'équation normale de la droite AB, nous allons d'abord déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Et une équation cartésienne de notre droite AB, c'est quoi ici? Ayant A de coordonnées 1, moins 2 et B de coordonnées moins 2, 3, le vecteur AB a pour coordonnées moins 3, 5 et le vecteur AM a pour coordonnées x moins 1, y plus 2. M appartient à la droite AB lorsque
Le déterminant du vecteur, le déterminant des vecteurs AM et AB est tout simplement égal à 0. En développant cette expression, nous arrivons ici à une équation cartésienne de la droite AB est donc tout simplement 5x plus 3y. Donc, je dis bien, une équation cartésienne de la droite AB est tout simplement 5x plus 3y. AB, je vais dire 5x plus 3y plus 1 égale à 0. Or, l'objectif ici, c'était de déterminer une équation, l'équation normale de la droite AB. Pour y arriver, nous avons ici A égale à 5, B égale à 3 et C égale à 1. Nous avons donc la racine carrée de 5 au carré 25 plus 3 au carré 9. Nous avons donc une fois de plus racine carrée de 34. Puis l'équation normale de notre droite AB sera donc tout simplement 5 sur racine carrée de 34x plus 3 sur racine carrée de 34y plus 1 sur racine carrée de 34 égale à 0. Donc voilà l'équation normale de la droite AB, c'est-à-dire 5 sur racine carrée de 34x plus 3 sur racine carrée de 34y plus 1 sur racine carrée de 34 égale à 0. Donc, nous avons achevé avec l'exercice d'application. Qu'est-ce que nous vous laissons comme devoir à faire à la maison? Premier exercice, le plan étant au milieu d'un repère autonomé OIJ, première question, déterminer l'équation normale des droites suivantes. Nous avons la première droite qui est D, donc une équation cartésienne est moins 2x plus 3y égale à 2, la deuxième droite D', y égale à 2, et la troisième droite D seconde, y égale à 1/2 de x moins 3. Exercice 2. Ou deuxième question du premier exercice. Si nous prenons les points A de coordonnées 2, 1 et B de coordonnées moins 3, 2, déterminons l'équation normale de la droite AB. Exercice 2. Première question. Déterminer l'équation normale de la droite D, passant par le point C de coordonnées moins 1, moins 7 et admettant N de coordonnées 1, moins 2 comme un vecteur normal. Question 2. Si nous prenons la droite D', donc une représentation paramétrique est x égale à 3t moins 1 et y égale à t plus 2t appartenant à R, déterminer une équation normale de la droite D'. C'est avec ces exercices que nous achèverons la séance d'aujourd'hui. La prochaine séance portera sur la distance d'un point à une droite du plan. À très bientôt.